Il y aura plusieurs étapes, hein, si effectivement les élus en donnent leur aval. C'est première étape, donc ça s'est traduit par un séminaire, surtout une session de formation des élus sur la définition, sur la question de l'enjeu d'un PLI pour un territoire donc communautaire. Et aujourd'hui, donc le 23 juin, nous avons poussé la démarche un peu plus loin puisqu'on a installé un séminaire pour réfléchir sur cet outil PLI. Et il y a eu quelques grands témoins qui sont intervenus et ces témoins ont donné leur expérience, les conseils, les bonnes pratiques et puis surtout alerter. Et le tout, c'était dans un but d'informer, de convaincre s'il était possible. Mais je sais que le territoire de la CARL, déjà l'équipe des techniciens de la CARL était déjà convaincue, mais c'était aussi d'apporter pour les acteurs du territoire, les associations, les partenaires potentiels, les investisseurs, les financeurs, disons, c'était de leur apporter également cette information et pour savoir dans quel monde ou bien dans quelle direction on peut orienter le futur PLI de la CARL Riviera du Levant. Alors, nous avons passé donc une journée en séminaire autour du PLI, plan local pour l'insertion et l'emploi. Ça a été une journée vraiment très riche en informations, en échanges d'expériences, mais aussi les intervenants ont insisté sur la mise en place. Et l'intérêt pour nous, c'est de connaître vraiment toutes les contraintes, mais aussi les atouts et le bénéfice de la mise en place de ce PLI, et que je trouve que c'est vraiment un outil très intéressant pour répondre aux attentes du territoire qu'est la CARL, puisque à travers ce dispositif, il faut surtout voir le développement économique, mais aussi l'insertion. La volonté politique, elle est là, puisque nous tenons vraiment apporter des réponses à notre population et au développement du territoire.